les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous embarquer avec moi pendant toute une journée. Donc, pour celles qui le savent, je l'ai répété et répété et répété. Je suis en vacances, donc c'est vrai que là, j'ai un petit peu plus de temps. Et qu'est-ce que ça me fait du bien de me reposer. Donc là, j'ai décidé de me maquiller pour sortir. Donc, je vais sortir avec mon fils et passer une petite journée avec lui. Donc, durant cette vidéo, je vais vous partager ma petite journée avec mon fils. Je vais vous partager à la fin de la vidéo une recette. Petit clin d'œil, vous allez voir, vous allez aimer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour les personnes qui ont participé au concours My Muesli, tout d'abord, je souhaitais vous remercier pour tous les mails que j'ai reçus. J'ai fait le tirage au sort lundi matin et j'ai contacté la gagnante. Donc, il y a bien eu une gagnante sur YouTube et une gagnante sur Instagram. Donc, merci encore à toutes celles qui ont participé. Et Inch'Allah, j'essaierai de vous faire plus de concours. Pour le make-up que je suis actuellement en train de faire, c'est la palette de chez Nocibé. Et j'aime trop cette palette. Elle est franchement super bien, surtout au niveau des couleurs. Maintenant que j'ai fini de mettre le mascara, je vais mettre du kohl dans mes yeux, donc du crayon noir. Et je sais que j'ai des petits yeux, donc ça me rétrécit les yeux quand je mets du crayon noir. Mais qu'est-ce que j'aime le kohl? C'est une bonne ou une mauvaise habitude, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'aime beaucoup en mettre. Je suis prête, on est prête à sortir. Donc aujourd'hui, je vous embarque avec moi, les filles. Déjà, bonjour, bonjour, bonjour. Non, aujourd'hui, je vous embarque avec moi, les filles. Je crois que je sais pas ce que je vais vous partager, mais je pense que ce sera une journée avec moi. Je vous embarque avec moi aujourd'hui. Donc là, j'ai décidé. Est-ce que mon col, il est bien mis? Ouais, il est bien mis. Regardez ma chemise. Vous voyez, c'est l'automne, on met plus trop de couleurs, mais j'essaie d'en profiter un maximum pour mettre un maximum de couleurs un petit peu flashy. J'aime bien en fait, ça fait avec une petite veste noire, franchement, ça sort super bien. Donc là, aujourd'hui, je vous embarque avec moi. Là, ce que je vais faire là, c'est je vais sortir avec mon fils. S'il veut aller à Intersport, il a besoin d'acheter des accessoires pour son vélo. Après, je vais aller à Lidl. Il me manque quelques petites courses. Hier, j'ai fait les courses à Leclerc et à Grandfray. Et là, il me manque les courses à Lidl. Donc, je vous embarque avec moi et on verra ce que je vous partagerai aujourd'hui. Pour mon make-up, je fais que ça au niveau des yeux. Pourquoi je ne fais pas le teint? Pourquoi je ne mets pas de rouge à lèvres? Ça sert à rien. On porte le masque. Donc, le rouge à lèvres, il ne sert à rien. Le fond de teint, bah si t'en mets, bah avec le masque et tout, ça va. Je sais pas, moi je vais avoir la peau qui brille. Donc ça sert à rien du tout. Donc voilà mon make-up, le grand max de ce que je fais en ce moment. Et même habituellement, je ne fais pas beaucoup plus que ça. C'est rare, rare, rare que je mets du fond de teint, sauf s'il y a un événement. Bon, allez, trêve de bavardage, je finis de me préparer et je vous embarque avec moi. Je sais. Oui. Et tu veux quoi? Tu veux conduire une moto? Tu veux que j'achète une moto, c'est ça? Mais bien sûr. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu, c'est ça? Un vélo, ça te va? Ça coûte déjà 250 euros à passer. Ah, mais crois trop que je vais l'autoriser à faire de la moto. Moi qui ai peur des motos et tout ça, Mais c'est pas peur du tout.
Juste, même, oui, comme il a dit, j'ai peur de tout. Je suis d'accord avec lui, j'ai peur de tout, mais la moto, il est hors de question qu'un jour, il conduise une moto. Ça, Un c'est booster alors maintenant. un booster, une mobylette, un quad, un truc à quatre roues. Non, deux, moto, il y a deux roues. Un truc à deux roues, interdiction. Franchement, interdiction. Cross, un vélo, ça va, c'est franchement, c'est bien un vélo. Il y a des crosses qui sont légères. Un vélo, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Un vélo, c'est bien. Non, mais en fait, il me dit ça parce qu'en fait, il a un copain, lui, qui a 14 ans. Je ne Deux comprends roues. pas. Deux copains qui ont 14 ans et qui ont déjà une moto. Qu'est-ce que tu vas C'est faire pas des sur une motos, c'est des moto? derbies. Dites-moi, à 14 ans, qu'est-ce qu'on fait avec une moto? C'est des Franchement, cross derbies. ouais, des crosses, là, des derbys ou là, des Des scooters. trucs Les ma nationaux. qui m'abritent, ça sert à quoi d'avoir, je ne comprends pas, un scooter à 14 ans ou une moto à 14 ans? C'est À part ça. prendre des risques. Quand je les vois en plus comment ils circulent, quand je vois ils conduisent, ouais, c'est des malades. Donc, non, 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 un vélo avec le casque sur la tête, ça suffit amplement. C'est bon? On était prêts, on est parti? Tu mets ta veste? Bon, allez. Aujourd'hui, sortie en amoureux avec mon fils. Fait les courses, on est parti à Lidl. J'ai pas fait énormément de courses parce que j'avais déjà acheté hier à Grandfray et à Leclerc. Faisal est parti acheter ses affaires pour son vélo et j'ai récupéré. On a récupéré qui, Faisal, avec nous? Mima. On a récupéré Mima. C'est pour toi, Ah, là. Mima. Ah non, ah, on t'a vu, on t'a vu, on t'a vu. Je Fils te de montagne. flouterai, je te flouterai. Fils de Goulajam montagne. salam, Mima. Salam alaikum, Mima. Tbarak Allah alaikum. اش بغيتي نقول لهم ولا في خاطر الوجديات ديالنا بلاتي تبارك الله على المغربيات كاملين وعلى اخواتاتنا الجزائريات وجميع العربيات والمسلمات Donc là maintenant que je suis rentrée des courses, donc je vais ranger vite fait ce que j'ai acheté. Donc là je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y avait pas de promo. Donc là je vais juste vous montrer un petit peu mon organisation comme j'ai l'habitude de le faire. Donc pour celles qui me suivent depuis un moment, vous commencez à connaître à peu près mon organisation.
J'ai été sage pendant toute la vidéo. Je vous ai laissé écouter la musique et regarder les images et je n'ai pas trop parlé. Mais là, ça y est, je reviens. Donc aujourd'hui, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un couscous. Mais je vais préparer seulement la semoule. Pourquoi je ne prépare que la semoule? Parce que j'avais envie de manger sécoque. Donc pour celles qui ne connaissent pas sécoque, en fait, c'est de la semoule, donc du couscous avec du lait fermenté. Et franchement, c'est juste super bon. Donc là, dans un grand plat, je verse la semoule et de l'huile que je mélange bien. Maintenant que la semoule est bien imprégnée d'huile, je vais rajouter de l'eau chaude. Donc pas de l'eau bouillante pour pas vous brûler les mains, mais il faut que l'eau soit assez chaude, ça permettra à la semoule de gonfler. Donc moi ma technique c'est je rajoute au fur et à mesure de l'eau et j'égraine bien. Donc dès que je vois que la semoule a absorbé l'eau, je rajoute de l'eau. Donc là si vous voyez qu'il y a des morceaux comme ça, il faudra en fait les égrainer à l'aide de votre main et de vos doigts. Ici dans mon plat, j'ai mis à peu près, je vous dis bien à peu près parce que vous commencez à me connaître, je cuisine beaucoup à l'œil, à peu près 500 g de semoule et j'ai mis un grand verre d'eau. Donc comme je l'ai dit, rajoutez au fur et à mesure. Après, je sais que certaines, pour pas s'embêter, en fait, elles mettent la semoule dans l'eau chaude et elles laissent la semoule absorber l'eau chaude. Moi personnellement, j'aime pas du tout cette technique, je préfère la technique à l'ancienne. Maintenant que j'ai bien mis tout l'eau et que j'ai bien égrené ma semoule, je mets ma semoule dans le haut de mon couscoussier et je vais le mettre à cuire sur de l'eau. Donc en fait, dans mon couscoussier, je mets de l'eau en bas et je laisse le haut de mon couscoussier au-dessus. Donc en fait, la semoule va cuire à la vapeur. Donc je donne toutes ces précisions, bien sûr, pour celles qui ne savent pas faire le couscous. Je sais que dans notre communauté, beaucoup savent le cuisiner. Pour la cuisson, c'est simple. En fait, là, dès que vous voyez comme ça la vapeur sortir, vous laissez 15 minutes votre semoule cuire. Et après, au bout de 15 minutes, vous récupérez la semoule et on va recommencer l'opération dans le plat. On va de nouveau faire cuire la semoule une deuxième fois. Donc toujours la même technique. On fait cuire pendant 15 minutes dès lors que la vapeur sort du couscoussier. Troisième et dernière fois que l'on rajoute de l'eau. Et n'oubliez pas dans cette opération, donc la troisième fois, c'est à ce moment-là qu'il faut rajouter du sel. Donc voilà à peu près la quantité de sel que j'ai mis. Ça correspond ici à peu près à une cuillère à soupe. Donc là, j'ai reversé de l'eau sur mes mains pour retirer le sel. Bien sûr, pas besoin de le préciser, mes mains sont propres. Faites attention aussi, au début j'ai fait avec la cuillère en bois et seulement après j'ai mis mes mains dedans parce que c'est très chaud. La semoule est maintenant prête, plus qu'à la déguster. Donc quand vous faites le sécoque ici avec le lait fermenté, il faut bien attendre que la semoule refroidisse. Et pour le lait fermenté, vous pouvez me faire goûter tout
le lait fermenté que vous voulez, il n'y a que ce lait fermenté que j'aime. Je suis une grande, grande fan de ce lait fermenté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. C'est vrai que j'en fais pas souvent, mais dites-le moi si vous aimez bien. J'essaierai de vous faire plus souvent des vidéos comme ça où je vous partage ma journée et où je vous partage plein de choses, plein d'astuces, plein de recettes. En fait, mon petit quotidien. Je vous fais de gros bisous les filles. Je vous remercie d'être arrivées jusqu'au bout de cette vidéo-là. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.